Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette petite introduction en musique et présentation justement de ce PC que j'ai pu tester, bah, t'a plu. On va en parler un peu plus longuement maintenant. Je vais te présenter le PC plus en détail avec sa config. Je vais te montrer aussi des benchs en jeu pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des performances. Et enfin, bon, voilà, on fera un petit peu le tour des points positifs et points négatifs. Si cette vidéo a été possible, eh bien, c'est grâce à Memory PC. Memory PC qui a eu la gentillesse de me prêter ce PC. Donc Memory PC, si tu ne connais pas, c'est un site allemand, mais qui vend sur Internet dans toute l'Europe. Donc notamment la France. Donc c'est vraiment un site de confiance. Les trois qualités de Memory PC, c'est donc la fiabilité, puisque le site existe depuis plus de 10 ans. Donc c'est une valeur sûre, tu peux commander sur le site sans aucun problème. La deuxième qualité de Memory PC, c'est le rapport qualité-prix. Parce que franchement, au niveau des tarifs, tu peux trouver voilà, tout ce que tu veux, un PC entrée de gamme, mais qui va quand même être performant. Comme on peut le voir par exemple là à l'image, on peut voir un PC à base de Ryzen 5 5500 et RTX 4060 pour 629€. Donc déjà, avoir un PC avec une RTX 4060 pour 629€, c'est vraiment pas mal. Souvent, des sites vont te proposer beaucoup plus cher ce type de configuration. Donc là, eux, ils sont très très raisonnables en termes de tarifs parce que ce sont les numéros 1 en Europe. Donc ils peuvent se permettre, bien sûr, d'acheter en gros et donc de te proposer des tarifs hyper intéressants. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai recommandé avant même d'avoir alors un partenariat, puisque cette vidéo, je le rappelle, elle n'est pas sponsorisée par Memory PC. Je ne reçois pas d'argent de la part de Memory PC pour te parler d'eux et te présenter leur PC. Mais c'est un partenariat puisque ils me prêtent un PC régulièrement et voilà, moi ça me fait un contenu intéressant à travers la chaîne, donc c'est du gagnant-gagnant, je les en remercie. Donc si toi tu es intéressé justement par des PC Memory PC, je te dis, tous les liens sont dans la description. Alors le PC que je vais te présenter aujourd'hui et dont on va parler un peu plus longuement, c'est celui-ci. Donc je te dis pareil, je te rappelle le lien dans la description. Donc c'est un PC à base de Ryzen 5 7500F et effectivement, tu vois l'image RTX 4060, mais j'ai modifié la RTX 4060 parce que ça me paraissait un peu trop léger pour un PC à ce prix-là. Et j'y ai fait quelques modifications. Alors, le visuel, bien sûr, n'est pas contractuel. C'est pas, j'aurais bien voulu avoir la config que l'on voit à l'écran parce que là, on voit que c'est beaucoup de composants tough. La carte graphique, le système de refroidissement water cooling 360 mm. Donc, c'est sûr que là, ça en fait un PC magnifique. Mais tu peux obtenir cette config-là puisque la troisième grande qualité de Memory PC, c'est la personnalisation, puisque tu peux modifier l'ensemble des composants un par un. Et donc moi, je suis parti sur la base de ce PC-là, et j'ai choisi une autre version qui me semblait un peu plus économique, mais beaucoup plus performante. Donc, à l'intérieur, on va aller voir un petit peu. Donc le boîtier, moi c'est surtout le boîtier sur lequel j'ai craqué, le Asus TUF Gaming GT502. Franchement, j'ai pas été déçu, c'est vraiment un bon boîtier, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Le processeur, le Ryzen 5 7500F. Le système de refroidissement, alors là je l'ai modifié, de base c'était un SQ Cooler, c'est un système de refroidissement propriétaire Memory PC. Et moi, je suis parti sur un Be Quiet Puroc 2FX. Et franchement, ce Ventirad, il est vraiment très beau. Il rend vraiment très bien dans le PC. On le verra un peu plus en détail aussi tout à l'heure. La carte mère, c'était par contre, c'est une Asus TUF Gaming B650. Elle aussi, elle est magnifique. Franchement, là, il n'y a rien à toucher. La mémoire vive. Alors, bien sûr, la mémoire vive, j'ai changé les barrettes de mémoire verte en 5600. Voilà, je ne suis pas hyper fan. J'ai pris de la 6000 de chez Kingston Fury. Le kit de 32 Go, voilà, et ils sont vraiment très beaux. Un teraoctet de SSD NVMe de chez Western Digital, un bloc d'alimentation Asus Prime Gold de 750 watts, donc là pareil, j'ai pas touché. Et par contre, bien sûr, j'ai changé la carte graphique et je suis parti alors d'une 4060. Là, on en est loin puisque j'ai pris une 7900 GRE, voilà, rien que ça pour ce PC. Voilà, pour en faire un très très bon PC, alors pour jouer en Full HD dans de très bonnes performances, mais tu vas voir surtout en 1440p comme tu vas le voir dans les benchs en fin de vidéo. Donc voilà la config que j'ai choisie, et pour 1500€, on se retrouve avec une config très solide, donc à base de Ryzen 5 7500, donc plateforme DDR5 moderne, et une RTX 7900 GRE, donc un PC solide pour jouer en 1440p, voire en 4K, puisque la 7900 GRE, c'est une carte qui peut faire tourner de la 4K. Donc moi, les tests que j'ai fait aujourd'hui, je les ai fait uniquement en 1440p, mais voilà, cette carte, elle a de très très bonnes performances en 4K aussi.
Alors, au niveau du PC, je te disais, franchement, alors, il est vraiment, moi, je le trouve vraiment très très beau. Tu vois, même la face avant, donc qui est vitrée, on a vraiment si on met un petit peu de RGB, parce que moi, je pense que c'est tout l'intérêt des boîtiers un petit peu aquarium, c'est vraiment, l'intérêt, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de voir aussi des couleurs. Voilà, ça, c'est mon avis. Chacun son truc, mais moi je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et voilà, même cette face avant, le boîtier fait vraiment, c'est de la qualité, hein, c'est vraiment, il est très lourd. Attention, il est vraiment très lourd. Les deux sangles qu'il y a sur le dessus, elles sont pas de trop pour le porter. C'est vraiment, voilà, c'est pas de la tôle très fine, de mauvaise qualité. Vraiment, c'est de la très très bonne qualité de fabrication. Voilà, je t'ai mis quand même une petite image tirée du site Asus. Tough justement pour voir un petit peu le boîtier, l'aspect qu'il a quand il est vide avec cette partie vitrée. Franchement, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc le côté panneau latéral, donc je te disais à l'intérieur, on voit un petit peu le système de refroidissement, le Pure Rock FX2 de chez Be Quiet, qui est vraiment, vraiment, je dis vraiment très beau, il rentre très bien dans ce boîtier. Alors l'autocollant en memory PC, c'est parce que c'est un PC de prêt, hein, mais après ça. Toi, si tu n'en veux pas, tu peux l'enlever. Pour petite particularité, le boîtier, il est livré avec 6 ventilateurs. Donc là, tu peux le voir justement dans cette image. On voit les ventilateurs. Quand j'ai reçu moi le PC, il y avait 3 ventilateurs, comme tu peux le voir, 3 en bas, un en extraction et puis 2 sur le dessus. Bon, je suis pas hyper fan de cette disposition. Tu vois, ça fait un petit peu un trou sur le dessus. C'est pas choquant non plus, mais je pense qu'ils auraient disposé les 3 ventilateurs en extraction, par exemple. Sur la face, je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Maintenant, dans l'idéal, tu prends un water cooling 360 mm, du coup, ça comble 3 espaces, et puis après, tu mets 3 ventilateurs aussi sur le dessus ou sur la face. Bref, bon, il y a plusieurs petites variantes possibles, mais ce système à 2-3, bon, là, moi j'avoue que j'ai pas trouvé ça fantastique. Côté câble management, alors là pour l'instant je te montre l'autre face aussi. Franchement là aussi, ces petits, alors il y a de la ventilation, hein, tu vois les petits trous et à l'intérieur il y a une petite grille en mèche, mais voilà, l'air circule facilement et peut être extrait par cette partie-là sans souci. À niveau câble management, bon, c'est plutôt pas mal, c'est propre, mais je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. C'est vrai que là, c'est un petit peu je trouve la solution de facilité parce que le boîtier te permet beaucoup de choses, il autorise beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de place, puisqu'il y a un deuxième compartiment, en fait, une sorte de deuxième compartiment sur justement la partie câble management. Et tu vois qu'elle est assez profonde, puisque tu vois qu'on a quand même la place de placer le bloc d'alimentation, donc on a de la place. Mais voilà, je pense qu'il y aurait eu un effort à faire au niveau du câble management, mais bon, le J-Pot, voilà, il y a de la place, là, il y a encore, tu peux rajouter encore pas mal de choses. Ça, c'est vraiment, par contre, hyper, hyper agréable. Et puis voilà, une dernière image pour montrer un petit peu la config à l'intérieur, le PC. Et franchement, voilà, c'est un très, très beau boîtier et une config très solide, comme on va le voir dans la partie benchmark.
Donc comme tu as pu le voir au niveau des performances, c'est quand même plutôt pas mal, hein, puisque tu vois, pour un jeu comme Tomb Raider, on est à plus de 150 FPS, 120 pour Horizon Zero Dawn, bref, voilà, des jeux et quasiment 80 FPS en très élevé, sans ray tracing, pour Cyberpunk, donc là aussi, dans des conditions très confortables, je le rappelle, dans la définition 1440p. Donc voilà, vraiment une config solide, je trouve à un prix correct, mais surtout, c'est que là, on a un très 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 beau PC. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais en tout cas, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me poser des questions, je réponds à tout le monde. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao ciao.